Salut le Toki échappé, Toki avant ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte, et on va commencer sans plus tarder par tout ce qui est film de... alors d'autres créatures marines que le requin, et également un petit peu d'insectes, de crocodiles, de serpents, voilà, et d'araignées pour finir. On attaque avec un premier film de Piers Haggard de 1981, avec notamment Klaus Kinski, collection classique du fantastique, donc c'est Venin, donc que j'avais sur un visuel dégueulasse, et celui-ci je l'avais dans Halo sur Vinted, donc de mémoire c'était plutôt une série bien intéressante. Ensuite, pas encore vu celui-ci, mais pareil, il m'intriguait pas mal, je l'ai eu aussi dans le même lot à l'époque, de James D.R. Ecox, par les producteurs de Point Break, donc c'est Blood Surf avec un crocodile géant, voilà. Donc mélange de Lake Placid et de Point Break, ça m'a fait délirer le pitch. Ensuite, le cultissime Orca. Voilà, Orca avec notamment Charlotte Rampling, Richard Harris. C'est de Michael Anderson. Voilà, donc très très bon Orca. Ensuite, je vois qu'il y a le 1, le 2, le 3 y arrivera plus loin. Donc l'excellent Lake Placid, très bonne série B des années fin 90 je crois. Vraiment excellent celui-ci avec Bridget Fonda et Bill Pullman. Vraiment vraiment beaucoup aimé. Le 2 c'est un bon petit nanar, bon petit divertissement. Voilà, assez dur à trouver celui-ci. Donc Lake Placid 2 et le 3 vous le verrez plus tard. Ensuite, un de mes films en milieu marin préféré, un film que j'aime vraiment beaucoup avec Treat Williams et Femke Janssen. C'est Un cri dans l'océan, vraiment vraiment excellent celui-ci. Il y a aussi Jimon Hounsou dans le casting, et notamment musique de Jerry Goldsmith. Donc ouais, vraiment vraiment super bon celui-ci, avec une espèce de pieuvre si je me rappelle bien. Très très bien. Ensuite on a tout ce qui concerne Piranha, donc un premier visuel du Piranha de Alexandre Aja. Très très bon. Le même film sous un autre visuel, voilà, donc avec Elizabeth Chou, Adam Scott, Jerry O'Connell, voilà, c'est le visuel belge ou allemand je crois. Ensuite, le Piranha de Joe Dante, voilà, que j'aime vraiment beaucoup aussi, production Roger Corman, vraiment vraiment excellent. Le 2 de James Cameron que je n'ai toujours pas vu, voilà, avec des piranhas volants. On retrouve Lance Erickson notamment en casting. Et le remake, enfin la suite du remake, donc Piranha 2, voilà, très très bon aussi avec David Hasselhoff, Christopher Lloyd, franchement, bon gros divertissement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit film néo-publishing de Ovidio Asantis avec notamment John Huston, Henry Fonda, Bo Hopkins, ouais, un gros casting, hein. Donc un Tentacule, voilà, donc film de 1977, Tentacoli, voilà. Et je trouvais que le visuel le nouveau visuel était dégueulasse. Je préfère vraiment les vieilles jaquettes comme ça. Donc, Tentacoli. Ensuite, avec des espèces de pareil piranha, mais ça se passe en mer, c'est Sea Attack. Voilà, c'était pas terrible ça. Et je crois qu'on les voit pas beaucoup et super tard les créatures. Le Jolligator, celui-ci cultissime hein, de comment ça s'appelle, Sergio Martino. Voilà. Donc très très intéressant aussi. Hein. Killer Crocodile 1 et 2 avec un petit lenticulaire pas piqué les hannetons. Voilà, donc sélection Neo Publishing encore une fois. Voilà, clac, clac. On reste avec du croco. Alors là, c'est un Bloody Waters. Voilà, c'est Dino Shark en fait, l'autre nom. Donc c'est une espèce de dinosaure, requin, crocodile, un truc préhistorique quoi. Assez sympa. Très content de l'avoir, celui-ci de Robert Gordon avec des effets spéciaux de Ray Harryhausen. Le monstre vient de la mer, donc It Came From Beneath the Sea. Donc voilà, vraiment pas très commun non plus à trouver ce DVD. Hein. Film de 1950 et des bananes. Mais combien de bananes, j'arriverai pas à vous dire. 55, voilà. Ensuite, on a le fameux Lake Placid 3 qui est pas non plus super facile à trouver. Avec Michael Ironside notamment. On a l'attaque du crocodile géant avec Michael Madsen. Je crois que c'est Million Dollar Crocodile, l'autre titre, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être je confonds, mais il me semble. Blackwater, très particulier. Vraiment un bon suspense. C'est un petit peu le The Reef en rivière, quoi. Donc voilà, film australien, il me semble. De Andrew Troughy. Ouais, bah, c'est le même qui a fait...
Ah, je sais plus en d'autres. Ok, bah, The Whiff, justement. Voilà. Ensuite, on a Million Dollar Crocodile. Voilà, donc ouais, je confonds, c'était pas celui-là, celui avec Michael Madsen, hein, donc c'était bien un autre titre. Celui-ci me dit plus rien, mais bon, c'est avec un crocodile géant, quoi. Le pas terrible Megapython vs Gatoroid. Voilà. Les effets spéciaux qui puent du cul quand même, hein. Après, ça reste un bon divertissement tout de même. Barracuda de Harry Caroine, voilà, film assez vieux aussi, hein, 70 et quelques, je crois. Donc je crois que je l'ai pas vu celui-ci. Mais je sais que la VHS aussi, le Barracuda. Octopus 2, très mauvais. Franchement, vraiment pas bon. Le 1 est sympa, mais le 2 est... Voilà. Très oubliable. Ensuite, on a Alligator 1 et Alligator 2. Voilà. Donc le 1 est vraiment bien, vraiment sympa. Par contre, le 2, je m'en rappelle plus. Peut-être que je l'ai pas vu. L'excellent Eau Trouble, réalisé par Greg McLean, qui a fait Wolf Creek. Vraiment, vraiment, vraiment super celui-là. C'est un des tout meilleurs avec les crocodiles. Donc, gros casting à Sam Worthington, Michael Vartan. Voilà, il me semblait qu'il y avait Mia Wasikowska dedans aussi, mais non. Voilà, donc Eau Trouble. Et niveau crocodile, pour terminer, Crocodile 1 et Crocodile 2. Donc, le premier crocodile de Tobe Hooper. Et le second, Gary Jones, donc c'est celui qui a fait Spiders. On en reparle juste après le Spiders. On arrive justement sur les films de Spiders. Le premier, alors il n'y a pas que des araignées, il y a des araignées, des guêpes géantes, des scorpions géants. Donc c'est Big Bad Bugs que j'ai récupéré là il y a tout peu sur Amazon UK. Après qu'un convoi de soldats américains disparaît sur une mission classique, une opération spéciale, équipe d'opération spéciale est choisie et déployée. Sur la fameuse zone où ils ont été localisés pour la dernière fois, et ils tentent de les retrouver. La force spéciale se rencontre bientôt une armée de scorpions géants, araignées, serpents venant de la Terre à travers une autre dimension. Voilà, c'est de la traduction en anglais live, hein. Je vous cache pas. En anglais, hein, donc je traduis comme ça en instantané. Donc voilà, Big Bad Bugs, ouais, ça doit être un bon divertissement. L'excellentissime, vraiment génial, L'Horrible Invasion avec William Shatner. Je vous le conseille fortement celui-ci. Je le mets pour moi au même niveau que c'est Kingdom of Spiders, titre original. Je le mets au même niveau qu'Arachnophobie, peut-être même un poil au-dessus. Vraiment excellent. Pas vu, mais pareil, ça doit être un bon gros délire. C'est de Mike Mendez qui a fait notamment Don't Kill It avec, je crois, Dolph Lundgren, et qui a fait aussi, il me semble, avant tout là, mais j'ai un doute. Bigas Spider, hein, voilà, donc une araignée avec un gros, 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 gros cul. Ça doit être un bon gros délire. Hein. Voilà, Big Ass Spider. Un reportage sur les araignées, toujours intéressant. Voilà, je suis fasciné par ces bestioles depuis tout petit. Sûrement mon film, on va dire un peu comique, de monstre préféré, Ark Attack, c'est purement génial. C'est de Ellery Elykem, avec notamment bah, dans le rôle principal David Arquette, mais on a aussi Scarlett Johansson qui est ouais, ses tout premiers rôles, je crois. Cultissime, à tout le monde connaît, je ne vais pas développer plus que ça. Le assez, mais assez sous-estimé et assez peu connu finalement, Arachnid de Jack Shoulder, avec des araignées provenant d'une galaxie extraterrestre, quoi. Particulier, pas toujours top au niveau des effets spéciaux, mais on passe un bon moment quand même devant. Le chef-d'œuvre pour moi, Arachnophobie, hein, de Frank Marshall, j'aime ce film en entier, tout est bon dedans. Avec Jeff Daniels et puis surtout John Goodman en désinsectiseur, vraiment, vraiment top. L'antre de l'araignée avec Lance Henriksen notamment, hein, donc un habitué des séries B, Z et compagnie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Arachnoïde, connu aussi sous le titre Arachnoquake. Voilà, un tremblement de terre qui libère des milliers d'araignées. Pas encore vu, mais bon, ça doit être un petit divertissement sympathique. Arachnia, plutôt très mauvais, les effets spéciaux sont pas terribles, mais voilà, je passe un bon moment devant quand même malgré tout. Ouais, dès qu'il y a un mec des bébêtes à 8 pattes, j'adore ça. Donc Arachnia, pas disponible en VF celui-là. L'excellentissime Tarantula de Jack Arnold, voilà, vraiment vraiment super, celui-ci cultissime des années 50, un des films de monstres qui ont relancé le genre, tout ça quoi, donc Tarantula. Spiders 2, moins bon que le
Spiders 1, mais très intéressant quand même. Spiders 1, je le trouve vraiment excellent. Et Spiders, l'espèce de remake en 3D, machin, se laisse regarder, mais voilà, c'est pas ouf ici non plus. Pour terminer, il en reste 5. On a Spiderwebs, qui est le même que l'antre de l'araignée que je vous ai montré tout à l'heure. On a Tarantula Cargo de la Mort, celui-ci pas vu. Alors celui-ci est de 77. Voilà. Donc on verra ce que ça vaut. Je crois que les araignées on les voit pas énormément. Bon, le visuel n'a rien à voir hein, au final. C'est des petites migales. Ah, des petites migales. La Ventula, donc de Mike Mendez. Donc j'avais bien raison, c'est bien celui qui a fait Big Ass Spider avec Steve Guttenberg. Voilà, donc la Ventula, des araignées qui crachent de la lave. Pourquoi pas hein. L'horrible invasion que j'ai en deux fois, parce que si jamais il vient à lâcher, au moins j'ai ce super film en double. Et le pareil, très très sympathique dans la collection des classiques du cinéma bis, l'invasion des araignées géantes que j'ai découvert l'année dernière. Vraiment une super surprise, très très agréablement surpris. Donc l'invasion des araignées géantes, vraiment cool. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo sur les bébêtes à 8 pattes et compagnie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement. Joignez un anime et ok. Ciao fucking ciao.